Eh bien salut tout le monde, c'est Mister B-Boy 45, comment allez-vous les amis? Moi ça va très très bien et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 13, me semble-t-il, j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Oui, épisode 13 de Resident Evil 4 HD bien évidemment, on reprend directement après la fin du chapitre et vous avez reçu des articles de la part d'Ashley. Eh bien gentil Ashley. Bon, on a quoi? On a ceci, ça c'est très très bien. Très bonne nouvelle, merci à toi Ashley, ça fait extrêmement plaisir. Une petite herbe de type jaunâtre, bien évidemment, mélangée avec des herbes de type rouge et verte. Ensuite, une petite herbe verte aussi, c'est plutôt cool. Et des balles de pistolet qu'on va pouvoir fusionner avec nos balles actuelles. Donc ça, c'est sympa. Je crois que c'est la seule phase où on jouait avec Ashley, j'ai pas envie de dire n'importe quoi. Ah! What a touching moment we have here. All spoiled thanks to your interruption. Why don't you do us all a favor and leave before the audience gets pissed off? You're nothing but an extra in my script, so don't get too carried away. Your biggest scene is over. I don't ever remember being a part of your crappy script. Well then, why don't you show me what a first-class script is like through your own actions? Oh, c'est beau. Écris l'histoire toi-même. Ça, c'est beau. Alors, souvenez-vous qu'on avait besoin d'Ashley pour avoir accès au trésor qui potentiellement, nous donnait aussi accès au Magnum. Donc, on va revoir la carte et on va essayer de se souvenir par où passer. Je pense que le plus court, c'est tout simplement de faire machine arrière. Donc, on va le faire de ce pas. On va faire machine arrière pour tout récupérer et on repassera par ici. Alors, Louis, frérot, tu bouges pas, hein. Tu bouges pas, on revient, on va chercher un ou deux pansements pour ton thorax, et normalement ça devrait bien se passer. On va refermer tout ça les gars, j'ai quelques notions bien évidemment en chirurgie. Alors, on va sauvegarder, non, c'est pas super worth de sauvegarder, ça ne sert strictement à rien. Je sais pas pourquoi j'ai voulu sauvegarder, peut-être une habitude dans les Resident Evil. On va tracer, on va récupérer le Magnum et quatre petits trésors qu'il y avait à côté. Et puis, on va pouvoir revenir sur nos pas. Alors, c'est un let's play. J'aurais pu faire ça en off, allez-vous me dire. Mais pas vraiment, parce que sinon, vous m'auriez dit « Ouais, mais peut-être qu'on va louper quelque chose si tu fais machine arrière. » Donc, autant vous le montrer. Eh, hey, ça mange pas de pain. Quoi? À quel moment Il savait qu'on allait revenir, ces salopards. Ok. On va prendre un snipe. Il savait. Ah! C'est quoi ces conneries? J'ai pris une faux! Est-ce vrai? MDR! Oh, ça va aussi, toi. Ok. Ok, donc j'ai bien fait de le faire en live. Enfin, en live, en record. Parce qu'il y a des méchants. Des méchants pas gentils. Des méchants tout plein. Alors, je sais pas du tout à quoi m'attendre d'autre. Vu qu'on va repasser par la salle du repas. Et... Oh bah tiens. Quoi? J'ai entendu un mec sur ma gauche. C'est horrible. En fait, il n'y a pas de son 3D. Il n'y a pas de son 3D. Enfin, comment vous expliquer? Mais si, mais il y a un mec ou pas? Bah oui, il y avait bien un mec, salopard. Oh là là, tout ça pour un trésor. Finalement, est-ce que c'est worth? Est-ce que c'est vraiment worth? Bon, oui, ça fait un Magnum gratuit, mais quand même. Ok. Ça, c'est fait. Là-bas, je me souviens plus trop. C'était par où, d'ailleurs? Attendez, bougez pas. Bougez pas, parce que c'est possible que ce soit directement à gauche. Yes, c'est directement à gauche. Yes. Bon, on y va de ce pas. Oui, je sais même plus ce qu'il y a derrière cette porte, tiens. Wesh, les gars. On va voir ça tout de suite. En tout cas, bien sécurisé. Oh, une herbe verte. Ah oui, on n'était pas passé par là. Bien joué. Bien joué à moi-même. Ça, c'est bon, ça. Ah putain, j'ai cru qu'il y avait un serpent, mais pas du tout. C'était une balle de pompe qui reflétait. Ok, on va prendre tous les trésors, évidemment. Là, on peut pas fouiller. Si. Voilà, le petit lingot. Alors, 5000 pesetas, ma petite gueule. Ok. Y a rien. Là, il y a deux pots, c'est plutôt... Oh, bah... Oh, putain, je l'ai eu. Oh, c'était pas prévu. On va le garder, on va le garder. Ça prend qu'une place. Et ça redonne de la vie, c'est plutôt cool. Quoi? Ouais, je prends. Pack un peu, ma gueule. Ok. Ok, donc j'ai des munitions de lance-mine. Je viens de me souvenir de quelque chose, les gars. Et là, je sais pas si c'est méga ouf. Je viens de me souvenir que...
Ouais, mais là, j'ai trop de vie. J'ai trop de vie, les gars, c'est terrible. On en vient à chaque problème. Enfin, on en vient au même problème à chaque fin de chapitre. Trop, trop, trop de vie. Mais que fait la police? Encore une spinelle. Yo! Quelqu'un là-dedans? Alors, attendez, je sais que c'était dehors, mais alors maintenant, c'est par où? Il me semble que c'est tout droit. Non, pas du tout, c'était à droite, d'accord. Yo! Quelqu'un là-dedans? Ah oui, avec les corbeaux. Yo! Ok. C'est bon. On va pouvoir récupérer le magnum. Normalement, pas de soucis. J'ai pas trop de souvenirs de ce qui se passe si on le récupère, mais enfin, tout devrait bien aller. C'est verrouillé de l'autre côté. Bah ouais. Bah alors? Ok. Pas mal ça. Il y a de la souplesse. Il y a de la souplesse, les amis. Dont une jupe qui tremble beaucoup. Faut ouvrir! Ah d'accord. Ok, tu t'es foutu de ma gueule. Bon! Ah non, il n'y a que 3 trésors. Allez, salopard. C'est parti, qu'est-ce que c'est? Une chicha? C'est bon ça? Non, pas du tout. Une belle bouteille de parfum. Ça doit valoir son petit pesant d'or. Le voilà, le butterfly. Le broken butterfly. Alors là, pour trouver de la place pour ça. Damn. Damn. Comment on va faire? Comment on va faire? Ouais. Hop, on va faire ceci. Je vois que ça on va l'utiliser pour moi-même. Parce que je suis un rat. Et j'ai toujours pas de place. Ah, là, ça va être terrible. Ça, on va le jeter. Yes, tu as bien vu. Jeter, j'ai dit. Voilà. Ok. Waouh! Attendez. Et si on fait ça? Ça devrait le faire. Ok, ça devrait le faire. Bon. Waouh, c'est pas évident. On a clairement tout l'attirail. Là, les gars, va falloir que j'utilise. Faut que j'arrête de faire le rail, que j'utilise de la vie. Du lingot, ça c'est bon ça. On va pouvoir améliorer tout ça là. Et là, une herbe. Oh non, mais les mecs, là, vous êtes. Vous êtes pas bien là, les gars, putain. Combiner, on va combiner avec, bah avec ça. Voilà, qu'est-ce que tu veux que je te dise? De toute façon, il n'y a rien à dire. Ok. Eh ben écoutez, bonne chose de fait, on a été récupérer le Magnum qui était sous couverture, bien évidemment. Ça nous a fait perdre quelques précieuses minutes de ce let's play, mais bon, c'est une bonne chose de fait, ça a évité de l'acheter, je crois qu'il valait en plus relativement cher. Donc on va pouvoir continuer notre aventure. En plus, il me semble, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, qu'on va bientôt affronter un petit boss de type sympatoche. On vient de par là. Je sais pas du tout où est Ashley. Follow me. Pourquoi tu viens pas, Ashley? Qu'est-ce qui t'arrive? Je sais pas à quoi elle joue. Non, elle se fout de ma gueule. Ashley? Oh la vache! C'est elle là qui fait ce bruit! Waouh! T'ouvres combien de portes? Oh putain! Tu rigoles zéro, Ashley, là. Ça va. Elle ouvre les portes et rigole pas, hein. Un coup de main, mon pote. La porte, elle se casse en deux alors que c'est de l'acier trempé. Ok, on peut se barrer. Ça fait plaisir. Normalement, il n'y a pas de nouveaux ennemis. Alors, j'aurais bien été revoir une dernière fois le tableau, un dernier dessert, enfin, un dessert pour ces derniers moments où je ne sais plus ce qu'il voulait dire exactement. Ok. Donc, c'est parti, les potes. On continue, on reprend exactement là où on s'était arrêté. Et on a enfin complété. Je sais plus c'était quoi, c'était un lion. Enfin, on a complété un écusson de par ces rudes épreuves. Et ça, c'est plutôt cool. On va sauvegarder. J'hésite déjà à revendre le lance-mine. Je vais pas vous mytho. Je sais pas trop comment on va faire. J'ai quand même dû jeter pas mal de petits trucs. Enfin, j'ai jeté quoi? Ouais, j'ai jeté un œuf. Non, je l'ai utilisé. Oh, Louis! C'est bon, tu m'as attendu. Ok, frérot. Bon, là, les gars, là, c'est le bordel. Aussi bien dans mon inventaire que sur la map du jeu. Donc. Ah oui, bah, la grosse salle là-haut, vous savez que c'est un boss, hein, on va pas se mytho, les mecs. Ok, on peut continuer, les gars, on peut tracer. On a retrouvé Ashley, est-ce une bonne nouvelle? Je ne sais pas, vous me le direz plus tard. Ashley, tu me suis, hein, fais pas la con, hein. Fais pas la con, ça va m'énerver, Ashley. Ok. Ah oui, c'est occulte, là. Wait. Attends-moi là. Attends-moi là, parce que là, c'est sacrément. Sacrément chelou. Mais là, les gars, ouais, je veux bien, mais
Attendez. Attendez, parce que c'est pas. Là, c'est pas possible. C'est pas possible, ça va me rendre fou, ces conneries. Ok. On va faire comme ça. Pas le choix. Vas-y, viens, Ashley. Ok. Donc. Si je monte là-dessus, je vais en face. C'est sympa. Mais à droite, il y a un wagon. Je crois me souvenir de cette phase de jeu. Cette phase de jeu terrible. Ok, on va re-sauvegarder. Même si on a sauvegardé il n'y a pas très longtemps. Alors, on va faire les choses en ordre. Hein. On va aller là-haut. Quoi ? Pas de place pour deux, Ashley. Salut ! Le mec qui se casse comme ça. Oh, bah, ça est sympa ce chariot. Hein. Enfin, ce caddie là, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ok, c'est fermé ou pas ? Attends. J'aimerais récapituler une situation, les amis. Il y avait une porte complètement fermée ici même. Mon objectif est donc d'aller ici. Alors pourquoi j'irai tout droit ? N'est-ce pas ? Bah oui, je dois prendre le wagon, c'est totalement con. Il y a quelque chose à faire là-dedans, là ? Il y a un trésor à récupérer. Oh là, je... Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? Ok, tout ça pour un trésor, ma gueule. Je sais pas ce qu'il y a dedans. Un petit lance-roquette, ça serait sympatoche. Qu'est-ce que je fous, là ? Ok. Félindra, tête de tigre. Oh oui, ouais. Eh, toujours dans le sol. Allez, ça dégage. Qu'est-ce que c'est ? D'accord. Ça offre un trésor, c'est plutôt cool. Ok. Un autre trésor, peut-être ? Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? C'est une épreuve ? C'est quoi ? Je me souviens plus. Vous pouvez m'aider ? Ça, si je le prends, je meurs ? Non, c'est bon, ça. Des lingots, c'est cool. Là, de toute évidence, étant donné qu'il y a de la lave en fusion, n'est-ce pas ? Je doute qu'un méchant vienne me soulever. Ok. On est dans une fonderie. Les derniers souvenirs d'une fonderie que j'ai eue... Quoi ? Ouais, il y a le petit truc qui vient de se faire SM. Ok, il y a lui aussi qui chope là, on sait pas ce qu'il dit. Personne ne te comprend, frère. Reste à terre, on t'a dit. Ok. Qu'est-ce que c'est que ces conneries ? On continue. J'ai aucun souvenir, donc je me tais, je ne sais que dire, les amis. Vous avez obtenu un pendentif des Illuminados. Il me semble que j'en avais eu un dans le chapitre 1. Quoi ? Ok. Quoi ? Attends, hey, Starkey, tu restes là. Attends, ça se rapproche là, non ? Attends, Starkey, je reste là aussi. Mais vous êtes combien là, les gars ? Eh, hey, vous êtes sérieux ou quoi ? Quoi ? Mais vous êtes combien ? Quoi, ces conneries ? Oh, tu ressembles à Lord Sattler, rien que pour ça. Ah, attends, c'est bon, je crois qu'en fait, il aime juste à l'infini. Non, mais c'est pas possible. C'est impossible. Non, il y en a encore là, parce que. Mais les gars, on est réellement à l'infini en plus, je crois. J'ai pas compris. Bah, je ramasse, mais. Vous êtes combien là ? Il y a une. J'ai plus de balles ! Ah, ils m'ont enculé mes balles de pistolet, putain ! Ok, c'est bon, c'est terminé. Alors, j'ai bien compris que le but était de m'épuiser de mes balles, mais comment on va faire ? Je vois pas trop là. Hein. Yes. Lui il est mort. D'accord. Moi j'étais pas obligé de tous les tuer derrière, mais enfin écoutez, au moins on a économisé des balles de pistolet. Ça serait bien, voilà. J'allais dire, ça serait bien qu'un escalier arrive à point nommé. Ok, très bien. Bon, très bizarre cette phase de jeu. Je n'ai pas compris. On va voir ce qu'il y a dans le trésor. J'espère que c'est de la bombe, bébé. En tout cas, si c'est une arme, c'est pas super ouf. Je vous avoue. La dernière partie de l'ornement. Donc j'étais obligé de passer par ici. Ok.
Ok, là je comprends mieux. Je comprends mieux. Bon, ça va, c'est cool. Donc on peut continuer, les gars. En plus, j'ai récupéré des petites balles de fusil à pompe. C'est vrai que j'aurais dû les tuer aux pompes ou trouver autre chose. Quoi ? Merde, c'est par là. Putain, fais chier. Cette phase est totalement inutile. C'est sympa, hein, mais qui a l'idée de faire ça dans un monastère ? Je comprends pas. Surtout que tu loupes le coche, tu tombes dans la lave, c'est plutôt con pour tes moines, quoi, mais bon. Après, je sais pas, peut-être je sais pas. Je sais pas comment il fonctionne. Bon, c'est bon, elle m'a attendu là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas avancer dans le jeu tant qu'Ashley n'est pas là. Par contre, quand il s'agissait de faire ça, un truc aussi ridicule, fallait qu'Ashley reste là-haut. Ça va, ma soeur ? Allez, on est reparti. On est reparti, on va sauvegarder. J'ai plus de balles de pistolet, T6, c'est triste, les amis. Allez. Cool. Un manège, j'adore. Vas-y, viens, Ashley, on va faire un petit tour. Je sais pas trop quoi prendre comme arme. On va peut-être prendre ça. Ou peut-être même prendre ça, parce qu'on est vraiment des fifous. Vas-y, viens, ma gueule. Ah oui, oh bah c'est rapide, d'accord. Je m'attendais à pire, très bien. Allez, on continue. On va prendre les Jean-Sébastien Jarre. Ashley, fais pas la con, j'ai déjà tué des gens. C'est derrière moi, pas de soucis. Ok, balle de pompe spinel, plutôt cool. Par contre, j'ai plus une seule putain de balle de pistolet. Ça, c'est moins cool. C'est parti, les gars. On peut enfin ouvrir la terrible porte. C'était en 3 morceaux, donc. La queue, la tête et... Attendez, est-ce que... Ah non, je peux pas les couper. D'accord. Ce n'est toujours pas complet. Bien joué à toi. Ok, on va passer au corps maintenant. Avec une sorte de chèvre. D'accord. Un lion avec une tête de chèvre sur le dos. Plutôt original. Et bien évidemment, la queue de serpent. Et ça, c'est cool. Ok. Bon, bah laissez-moi vous dire que ça va partir en couille, les gars. Laissez-moi vous dire que ça va partir en couille. Étant donné que j'ai pas... On va re-sauvegarder. On s'en fout, hein, les gars. C'est l'épisode... Je vais l'appeler l'épisode de la sauvegarde. De toute façon, au point où on en est, j'ai sauvegardé 49 fois. Ça va. Hein. On n'est jamais trop prudent. Ok, qu'est-ce que c'est? Oh, à droite. Petit chemin sympatoche, là. Je sais pas à quoi ça mène. On va voir ça tout de suite. Oh là! Alors, attendez. Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Il y a quoi là-haut? Mais il y a rien, en fait. Yes. Ça, voilà, logique. Partout où il y a de Lord Saddler, il y a 5000 pesetas. Mais ça mène où? J'ai pas compris. Ah, c'était de là que le petit me parlait, Miskina. Et donc, d'ici, j'étais censé faire tomber le trésor. Mais bon, l'intelligence l'a emporté, les amis. Et ça, on l'a fait il y a 3 épisodes. Et ça, c'est cool. Allez, viens, Ashley. On a assez perdu de temps comme ça. D'accord, ok, c'est cool. Bon, je suppose qu'on va bientôt affronter un boss. Je sais pas si c'est méga ouf. C'est parti. Je sais même pas, il y a peut-être même pas de cinématique. Non, il y a pas de cinématique. Oh, encore un train, excellent. En fait, c'est un parc d'attractions, mais c'est génial. Ok, on va où? Il nous mène où, ce train-là? Il nous mène tout droit en enfer? Ouais, bébé. C'est bon, ça. Allez, go. Vas-y, viens, Ashley. On aura pris 2 fois le train en un épisode, on aura sauvegardé 6 fois à peu près. On aura fait 2 allers-retours pour un magnum. Eh, plutôt Wars ou pas? Oh putain, j'arrive dans les pièces, ils se ressemblent tous. Ok, c'est parti. C'est parti, ma petite gueule. Là, il y a un tableau, je suppose qu'on peut... Ah! Oh lol! Mais ça ne s'arrête plus. Ça ne s'arrête plus, la richesse! On aura trouvé je ne sais combien de lingots. Tiens, bah attends, celui-là aussi. Ouais, ça serait trop, non? Ouais, ça serait trop. Attention, ne pas être trop gourmand dans la vie. Ok. Ah ouais, putain, les mecs. Ouais. Eh ouais. On va devoir sacrifier une balle de pompe. J'ai jamais été aussi bien dans un Resident Evil. Triste à dire. Bon, si, celui-ci, j'ai déjà dû faire 2-3 sessions à l'époque où j'étais très très bien, vu que je l'avais fini énormément de fois d'affilée, mais... Ok, droite ou gauche? Alors, d'après mes souvenirs les plus anciens, je dois aller pas du tout par ici. Il y a une grenade aveuglante, c'est sympa ça. Attends, vous me prenez pour des trous du cul là? Les mecs?
Moi je prends tout ça hein, les gars, on fait les crevards là mais il va se passer quelque chose de terrible. Yes, je crois que c'est la dernière gemme. Ok. Que veux-tu, jeune homme? Un toast à la santé de notre majesté. Oh, j'ai pas ce que tu veux, hein. Et toi, tu veux quoi? Tu veux un toast aussi? Un toast à la santé de notre majesté. D'accord. Vous voulez boire, quoi, les mecs? C'est ça, si j'ai bien compris. La porte est protégée. D'accord. On se casse. Les fenêtres ouvertes comme ça et les rideaux qui volent, ça fait un peu stresser. Mais c'est bon, il s'est rien passé, c'est plutôt cool. D'accord. Bon, de toute façon, faut que j'aille à gauche et à droite. Alors les mecs, on va aller tout droit. On va aller tout droit. Putain, mais c'est ouf tout ce qu'il y a. Ça me donne la tête qui tourne. Hop, je peux pas examiner. Lui, il tape la pause. Regardez, je peux même pas le transporter. Même si je voudrais, frère, je pourrais pas. On va essayer de vider ses munitions dans la pièce d'à côté, allez. Hop. Je suppose qu'il va y avoir des gentils pas gentils. Yo les gars. Ça se passe comment par ici? Wait. Attends-moi là. Voilà. Alors Ashley, tu sais pas faire ça? Alors Ashley. Et encore, je peux faire tout le couloir comme ça, hein. Follow me. Allez viens. Oh, une coupe. Wait. Moi j'aime pas ça. Follow me. Ouais, suis-moi, c'est peut-être mieux. Ok, va y avoir embrouille. Embrouille dans le terre-terre. Ah ouais, 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 non mais les gars, embrouille sévère. Désert, oh, y a trop de trucs. Viens, Ashley. J'ai peur pour toi, tu vas rester là. Wait. Et si tu meurs, bah écoute, tu diras... Alors que la colère du mal frappe celui qui dérange le Saint Graal. J'en ai rien à foutre. Elle est où la colère du mal, là? Ah oui! Ah, je m'en souviens. C'est pas gentil. Ok. Ok. Yeah, c'est bon, ça. C'est bon, ça. Comment je fais? Comment je fais, ma gueule? Ok. Et c'est les temps qui courent. Wow, 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 wow. Hop! Tour de magie. Tu m'as vu, tu m'as pas vu. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais plus ce qui se passe. Oh, je suis pas bien, là. Je vois pas du tout comment l'arracher, bordel. Yes, ça marche pas. Ok, comment je les arrache? Je sais plus du tout. Est-ce que je peux me cacher là-dedans, là? Aux pompes? Sérieux? Non, mais c'est pas possible. Si. Ouais. Ça a pas l'air d'être ça. Ok, ça a l'air d'être ça. Ça a l'air ma foi relativement efficace. Non! Oh là! Rodriguez! Qu'est-ce qui se passe? Ok, on se calme les gars. D'accord, donc ça c'est aux pompes. Ah très bien. Tu vas te calmer mon gars. Je te permets pas. Ça c'est pas cool. Hop, allez, tu vas te calmer, Highlander. Je te permets pas non plus. Oh, c'est relou, ça. En fait, faut juste tirer dessus. C'est quoi cette connerie? Hop. Hop, et on se permet de recharger derrière, histoire de lui montrer qu'il est vraiment nul à chier. Ok, c'est fini. Ça a l'air de... Quoi? Les gars? Wesh! Vous avez l'air encore plus vénère que tout à l'heure! Ok. D'accord. Vous êtes genre vraiment énervé comme ça à chaque fois? Un gang de gens énervés? Boum! Ok. Ça c'est fait. Bon, on va mettre une petite en bras histoire d'épuiser son capital grenade. Tiens, cadeau, les mecs. Nickel. Nickel. Alors ça fait plaisir. Ok.
Attends, hop, c'est rien. Je sais que tout le monde panique dans ce genre de situation. Les gars, vous êtes trop loups! Quoi? Quoi? Ok. Quoi? Hop, ça je prends. Là, c'est relou, là. Hop, on reload. Oh putain, la vache! Ils rigolent pas, les mecs! Évidemment, il faut qu'ils se séparent. Voilà, ça c'est plutôt cool aussi. 6500 pesetas. Putain, les mecs, vous êtes encore plus possédés que la vidéo d'avant. C'est quoi ces conneries? Ok, il me reste très peu de balles. Par contre, il me reste des balles de pistolet. Bon bah voilà. Je vais te demander gentiment. Allez, ça dégage. C'est bon là, je suis tranquille ou pas? Ok. Alors, j'ai repéré 2-3 petits trucs. Ne bougez pas, vous allez potentiellement kiffer. J'ai repéré ça là. On peut pas le ramasser ça? Sérieux? Oh là, je pensais avoir découvert un truc de ouf. Oh, ils se sont foutus de ma gueule. Oh, saloperie. Oh, saloperie. Oh, je suis vexé. Je suis hyper vexé. Ok. Comment on va faire? On va faire comment? On va faire comme ça? Non, on va voir ça un petit peu plus tard. Déjà, on va ramasser l'herbe. Attends. J'ai rien oublié, là, les gars? Parce que, mine de rien, à force de rester dans une pièce comme ça, tu finis par oublier le plus important. Hop, petit 360 noscope. Ok. On est bon, on peut partir. Vas-y, viens, Ashley. Follow me. Wait. Attends-moi là, on sait jamais. Follow me. Voilà, tu sais que ça peut partir en couille très très vite. Ok, on est bon. On est bon, on va pouvoir récupérer l'herbe jaune par la même occasion, étant donné qu'on s'est vidé les couilles. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça y était pas tout à l'heure. Échantillon récupéré. Vous savez peut-être que Louis Serra a été éliminé par Lord Sadler. Notre échantillon est revenu à sa place. J'espérais que cette affaire pourrait être résolue sans l'appui du Lord. L'important est d'avoir récupéré l'échantillon. Je me réjouis de cette conclusion. Maintenant que nous avons récupéré l'échantillon, cette femme aura plus de mal à le récupérer. Quel dommage que Serra ait dû nous quitter. Son avenir serait aussi rose que le nôtre s'il avait eu foi en nos croyances. Le Lord nous a chargé de nous débarrasser des deux autres Américains. Nous ne devons pas le décevoir. Nous allons capturer Ashley et l'amener au Lord. D'accord. Bah, bonne chance à toi, un petit gueule argenté. Moi, en attendant, je vais me droguer avec des herbes. Qu'est-ce que c'est que ça? Spinel, je prends. Ça serait bien que je puisse déjà améliorer mon pistolet encore, ça serait plutôt cool. Bon, hop! Attends, non, je veux pas l'examiner, j'en ai rien à foutre. Yes. Voilà, ok. On est bon là, on est bon. J'ai plus de choses qu'il n'en faut, de vie qu'il n'en faut. Putain, si j'avais eu Ashley avec moi, on n'était pas bien les gars, avec les soldats. Là. Heureusement que je l'ai laissé un petit peu en arrière. Ok. Butterfly, lance-mine. J'ai tout ce qu'il faut. J'ai tout ce qu'il faut pour un monde de barjo. J'ai la première coupe, on va pouvoir aller récupérer la deuxième. Je peux vous dire qu'il faut soulever de la coupe. Ok, j'ai compris ce qu'il faut faire. Ah non! Non, il y a deux statues, j'ai pas compris en fait. Ok, impossible d'ouvrir. Un message dit, 4 chevaliers ouvriront le chemin. Foutez de ma gueule. Ah, j'ai compris. J'ai compris. Ok. Voilà. Bah oui, 4 chevaliers avec Ashley. Voilà, ça c'est fait. Attends, je vais faire en sorte qu'Ashley reste près de moi quand même au cas où. Il y a 2 portes par contre. C'est pas super ouf. Voilà, Ashley vient. Wait. Ok. Ça a ouvert quelle porte? Oh non. I think you've lived long enough. Let's see if you can survive this time. Évidemment, je ne sais plus ce qu'il faut faire. Ah, j'ai trouvé. Ok.
Merci de m'avoir montré la voie. On peut continuer. Ashley, on a eu chaud quand même. Hein. Je vous avoue que j'étais pas super bien, j'étais un petit peu fébrile. D'ailleurs, j'ai plus parlé. Qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose là-dedans. Il y a du sang. Oula. Crie pas. Ah d'accord. Oh, ils sont pas contents. Qu'est-ce que je dois faire? Sniper peut-être? Allez viens. Je sais pas du tout où ça va ce bordel. Je ne sais point où ça va s'arrêter. Ok, des petites mules, ils y ont pensé, c'est plutôt cool. Là normalement on est en sécurité. Hein. Ça va peut-être pas faire un trou dans le mur. Ok, c'est bon. On est bien. J'ai remis un petit coup au cas où il y a encore un serpent qui essaye de me faire un petit coup de Trafalgar. On les connaît maintenant, ces salopards. Ah, un échiquier ! Yes ! Vous avez obtenu un bel échiquier. Les gars, genre réellement trop d'argent, c'est un truc de ouf. C'est un putain de truc de barge. On récupère le Graal, le deuxième. Le Graal de la reine. Et on peut se barrer, tout simplement. Yo, les gars. Ok. Bonne chose de faite. On peut, encore une fois, continuer. Est-ce qu'il y a une sauvegarde, d'ailleurs, après avoir posé les Graal, là? À moins que je prenne tarif. Hop. Non, 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 c'est juste un boss. C'est direction un boss. On va s'arrêter là. On va s'arrêter là, les amis. On a réussi les deux petites énigmes qui vont nous permettre d'ouvrir la porte et d'accéder à la phase finale. C'est peut-être la phase finale, non? De l'église et passer au chapitre 3, je pense. Il me semble... Ah oui. Salut, les gars. Alors, attendez. Attendez, j'avais pas prévu ça, moi, au début. Elle est où, la sauvegarde? Attends. Comment on zoom dans ces conneries? Ah, voilà. Elle est là? Sérieux? Il y a même un vendeur? Yo, frérot! Oh, putain! Oh, putain! Il y a même le truc d'armes! Alors, tu préviens pas ma gueule? Ok. Ah, ça, on le fait direct. On va le faire direct, prochain épisode. Eh hey. Savoir se détendre, les amis. On va voir s'il a quelque chose d'intéressant à nous vendre. Optimisation. Broken Butterfly, c'est plutôt cool. Je crois même que c'est quasi le meilleur magnum. Mais avant cela, est-ce que... Oh là, bah oui. Bah oui, ma gueule. Allez, on l'améliore à donc. Ça, je crois que c'est quand même relativement utile. J'ai pas envie de vous dire n'importe quoi. Ok. Et les gars, dites-moi, vous savez quoi? Je vais garder les 24 000 et tous les trésors que j'ai de côté. Dites-moi ce qui est bon à améliorer. Et puis, je le ferai prochain épisode. Là, je vais améliorer mes trésors au maximum parce que j'ai pas mal de trucs sympatoches. Donc ça, combiné avec ça et ça, combiné avec ça, il est complet. Je peux vendre les deux. Est-ce que... Très luxueuse, ok. Je crois qu'on est bon, hein. Je crois qu'on est bon. On va s'arrêter là. N'oubliez pas de j'aime et le commentaire. Je vous fais plein de bisous, comme d'habitude. Et je vous dis à la prochaine pour la suite de notre aventure sur Resident Evil 4. Bisous tout le monde. Ciao, ciao.